Yo la meuti, aujourd'hui c'est JO, je vous emmène au JO, il fait 35 degrés. On parle là d'un Brésil-Espagne, mes chéguets, d'un Brésil-Espagne, mes petites lucioles. Donc là c'est pas n'importe quel match, c'est deux des meilleures équipes au monde, c'est pour ça que j'ai pris les places et que je voulais vous faire cette vidéo pour ce match. Donc voilà, aujourd'hui, Espagne, Brésil, à domicile, à Bordeaux, chez moi, let's fucking go. Bien arrivé au stade, je me suis pris un petit casse-dalle cette fois-ci parce que j'avais pas envie de me faire casser la rondelle une nouvelle fois. Je joue pas de la trompette comme l'autre dirait. Ça fait beaucoup de peine pour les Girondins de Bordeaux, c'est un club historique qui a une belle histoire comme le FCMS. Et je me mets à leur place, j'ai beaucoup de potes supporters des Girondins. C'est quand même très très triste ce qui se passe. Pas en avance hein. On n'est pas en avance, on n'est pas en avance du tout. I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world, yeah I want the world, yeah I want the world. It's too easy feeling too comfortable, I don't think I can be satisfied. 25. Ça vous rappelle quoi cette petite mélodie? Bebeto. J'arrive, ça applaudit. Hein, ouais. Merci, merci. Merci beaucoup. Ça est bien positionné, je me suis mis un petit peu à l'abri pour vous raconter un petit peu mes sottises. Vous savez quoi, je crois que c'est la plus grosse affluence des 4 matchs que j'ai vus. Hein. C'est un peu dégueulasse le short jaune avec le maillot rouge. Hein. Dites-moi. Pas sûr. Oh, jeu. Comme je suis un petit gourmand, je vais me chercher un dessert. Bonjour. Je pourrais avoir une multitude de pop-corn, s'il vous plaît. Ferme le bordel. Il y a au moins 3500 pop-corn là. Yeah boy. Oh, oh mon dieu. Quelle occasion. L'Espagne est largement au-dessus. Oh là là. Une mini ola. Ça arrive. Ouais. Regardez en exclusivité le futur cop des Girondins. Intéressante équipe d'Espagne. Par contre, le Brésil n'est pas fou du tout. Hein. Marta, elle est pas ouf. Donc, belle équipe d'Espagne. Je la mettrai en favori de ces Jeux Olympiques. Oh, j'en vois pas le bout. Hein. Popcorn, 35 degrés. C'est pas le bon combo, ça. En temps de canicule, si vous êtes bloqué dans le désert, n'achetez pas de popcorn. Enfin, ça, si jamais l'idée vous vient. Le rouge. On a le rouge en direct. Elle l'a décapité, elle est arrivée comme un pélican. Elle est en pleurs. Là c'est des dures images là, que l'on est en train de voir là. Ah, c'est pas des gestes qu'on veut voir sur un terrain de foot, ça. Non, Marta. Non. C'est que ça, le Brésil. Récupération, long ballon devant. C'est incroyable. Caroline, oh, oh, oh.
C'est reparti. Et entrée de la numéro 8, Mariona. Caldente. Je connais pas. Oh putain. Ouais, elle est pas ouf elle, hein. Elle fait pas un gros match, hein. La réalisation, Nico TV, après il se fera voir. Oh bon Maxi. C'est celles qui ont gagné la Coupe du Monde. Et un Mosso très très bonne joueuse, celle qui fait la meilleure impression. Et c'est elle qui s'était pris le bisou. Changement senti de Hossein Caroline. Entrée dans la numéro 11, Jennifer. C'est du Hora Football. Hein. 36e arrêt de jeu. Allez mesdames, s'il vous plaît, un dernier coup de collier là, on va voir du but. Ce qui devait arriver arrive. C'est largement mérité. Le Brésil ne joue pas au football. Au football. J'adore. Mais c'est une catastrophe cette équipe du Brésil. Il y a un truc très bizarre qui se passe. D'ailleurs, le public siffle. La gardienne, ça fait la cinquième fois qu'elle se fout au sol comme ça, alors qu'elle doit marquer, hein, son équipe doit marquer. Donc je ne sais pas si elle a un problème de santé, mais c'est la cinquième fois qu'elle se fout au sol. Je ne me demande pas si elle a des malaises ou quoi. Mais dans ce cas-là, qu'elle sorte, c'est imprudent. À un moment donné, on ne peut pas faire évoluer le football féminin avec des comportements comme ça. Hein. Je suis plutôt bien tiré. Ouais. Vous savez quoi, j'avais oublié qu'elles étaient 10, donc j'étais un peu dur avec elles quand même. Mais quand même, c'est pas fou. J'avais carrément oublié qu'elles étaient 10. La bonne marque, ça est sorti sur un vêtissement rouge. C'est vraiment le foot en folie, le Brésil. Hein. Sans exagérer, peut-être la 9e ou 10e fois l'interruption du match avec la 6e. C'est un cauchemar ce match. C'est un cauchemar, il n'y a eu que ça. Et le deuxième but, totalement mérité. Terminé. Il est 23h30 en ce mercredi. Terminé. Voilà, messieurs, dames, vous venez de vivre un match de football des JO. Première mi-temps plus que correct, avec une équipe d'Espagne qui dominait outrageusement quand même. Et une deuxième mi-temps hachée, 16 minutes de temps additionnel, ça veut tout dire. Les Brésiliennes, la gardienne qui s'est mise au sol au moins 5 fois, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été remplacée. Et puis après, au moins une dizaine d'arrêts de jeu, quoi. Donc c'était interminable du coup. Les Brésiliennes n'étaient clairement pas au niveau. Et les Espagnols sont bien bien au-dessus. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elles gagnent ces JO. Parce que c'est une très belle équipe. On se retrouve bientôt à Paris pour les JO, pour du foot, mais pas que. Allez, ciao, ciao, à très bientôt.